Non, il n'y a aucun souci là, c'est des plus là, ok, Claude, à toi pour Georges. Ouais, tu as ça, Georges, tu as ça, donc sur le Québec, à matin, on a une température de 6 degrés avec un ciel couvert, oh, ben, on nous annonce soleil peut-être plus tard dans la journée, Georges. Eh bien oui, ben, tu as une très très bonne radio, hein. Je ne dirais pas que c'est du téléphone, mais presque, Georges, à toi. Ouais, ouais, tu as une bonne radio aussi, hein, Claude, hein, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est moi qui règle les audios, là, avec mon poste, là. Je règle pour mise en règle, parce que souvent, il y a beaucoup de haine. Il y a beaucoup de haine qui ont des audios très, très vécus. Et c'est tellement piquant à mes oreilles que je modifie la réception. Je modifie la réception de, disons, de l'audio pour que ça soit une audio déjà qui convient et qui convienne à mes tympans, là, ok, Claude, à toi. Ouais, tu es seul, donc je te dirais que si tu es tout le monde à la radio de même, là. On n'a aucun problème, on dirait que tu es sur la région de Québec, quoi. Ah oui, ah oui, non, il y a, on a tout l'Atlantique, là. on a quand même pas mal de rébellions, là, pour ce monde, là. Bon, je vais dire, Claude, nous avons la protection qui nous aide bien, là, pour pouvoir converser. Comment on le fait depuis quelques jours avec vous comme l'Amérique, hein, Nord-Amérique, tout ça. C'est relativement assez ouvert là depuis quelques temps là. Ainsi que les côtés, tout ce qui est côté pacifique, là, aussi que je dois pour Yoshi. Oui, tu as ça, donc je pensais bien de la radio cette semaine, c'est le premier matin, on va voir que. La propagation est là sur certaines fréquences, d'autres c'est difficile, mais bon, ben genre, il faut la prendre quand elle passe, hein. Ah oui, on crie que c'est dit. Toi, Claude, attends, il y a un perturbateur derrière, mais tu arrives tellement fort que quand tu prends le micro, le perturbateur, c'est dommage parce qu'il perd son temps. Il perd son temps pour rien parce que quand tu prends le micro, je l'entends plus, j'entends plus que toi. Ouais, donc comme tu disais, Claude, hein, bah, il faut profiter de la propagation quand t'as les langues. C'est vrai que je ferme quand même relativement une bonne heure. Enfin, bon, je vais le dire de mon côté, hein. C'est vrai que j'ai connu des propagations des années antérieures. Des cycles de propagation bien en arrière, où on avait quand même l'occasion de vous contacter même tardivement dans la soirée, hein, je dis bien, avec l'histoire du décalage horaire, parce que pour l'instant on a encore 6 heures, mais d'ici, on va dire, ben, on est 18, encore 12-13 jours, là. Encore 12-13 jours, là, et puis ben, on aura plus que 5 heures, puisque nous allons changer d'heure à la fin du mois, le dernier week-end du mois, là. Ok, Claude, à toi. Ouais, que celle, ben genre, je dois te faire remarquer que ton dernier passage était à 58-59, hein. Là, c'est réellement du téléphone. Ben oui, ben nous, ça ira à deuxième semaine de novembre. Oh, pour une dizaine de jours, 14 jours peut-être, nous aurons une petite différence, genre, à toi. Ah oui, c'est que vous, quand nous on change, hein, quand nous on change, c'est dans les week-ends d'octobre, là, et je sais que moi, c'est au début novembre, hein, puisque je communique aussi par Internet, hein, avec des OM sur votre GPS, là. Sur le Québec, ainsi que Montréal. Et donc, on discute aussi un petit peu sur les autres. On parle aussi des décalages horaires, enfin des changements d'horaires, aussi bien de notre côté et puis du vôtre. Là, je sais que je dis, ça doit être deux semaines après nous, je crois que vous changez. Hein. Deux semaines.
pas pour la changer deux semaines après, c'est vous qui reculez, qui allez reculer aussi, avec un clou là toi. Oui, que seul j'ai entièrement raison, je crois qu'en France, j'ai pas la date précise, mais bon, parce que comme tu dis, 15 de jours, 14-15 jours après vous, hein. Bon, c'est ridicule qu'on change d'heure à différents pays, pourquoi pas changer tout en même temps, ou laisser toujours la même heure, mais que veux-tu, c'est demandé de même, donc on n'a pas le choix, il faut suivre, hein. Ah oui. Oui, de toute façon, tout à fait. Ben nous, à quelque chose, on va regarder. Nous, on change les horaires. On change les horaires de la nuit du 27 au 28. Hein. Donc toi, on est le 18, ben non, 10 jours. Ah, ben toi, oui, puisqu'on est le 18, là. On change dans la nuit du 27 au 28, là, puisque les décalages, chez nous, les décalages horaires, c'est toujours entre le samedi et le dimanche. Hein. Le dernier week-end d'octobre, hein. Donc je viens de regarder, puisque j'ai le calendrier qui est au-dessus. This is Sugar Delta 101, David, back to you. Yes, QSL, I'm very sorry because man is stationed calling. Please, the station and emergency, please stand by. On the replay, the 9th Division, Quebec. Quebec, Canada, Henry, because negative copy the call and negative copy the name. A 9th Division, I send you the microphone, possible for yourself, for me your name, I send me your call. The call for me, 173 Sugar Delta 101. Southwest 113, Sugar Delta 101. Ok, absolument, David. Alors, mon nom, c'est Jean. C'est le centre-ville de Montréal, Québec. 9 Whisky Tango 343. 9 Whisky Tango 343, centre-ville Montréal. À toi, David. Oui, tu es celle bien à 100%, hein. Donc, Jean, Juliette, Nico, Alpha, Novo. 9 Whisky Tango 343. Tu es le centre-ville de, je dirais, de Montréal. Hein. Pas de souci, je t'écoute dans d'excellentes conditions. Tu es 55-56 pour moi sur le nord de l'île de La Réunion. Bien sûr, sur mon QTH, il fait nuit. Hein. La nuit vient de tomber. Et le QTH local, il est actuellement presque 20h. Hein. Il est seulement 19h43. Et la nuit est déjà tombée. Température actuellement 24 degrés. Je te retourne le micro, Jean. 9 Whisky Tango 343 et 673 de Chaudière Delta 100, David La Réunion, QSL. Oui, c'est absolument. Alors, si il fait 2h27 degrés, très belle journée d'automne. On va à 43, on va à 43 AM. C'est bien. Je pense que c'est le excellent signal de groupe à 8 sur 60. Excellent constellation. Hein. Alors, écoute, c'est la première fois que j'ai un contact avec la division 173. Hein. Alors, c'est intéressant. C'est certain que je t'inscris au log. Alors, c'est certain que je t'inscris au log à l'instant. Hein. Donc, à toi, David. Oui, ok, pas de problème. Jean. Pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, le Canada, le Québec, je l'ai déjà contacté. Hein, donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Si éventuellement, tu es intéressé par le changement du QSL, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. J'ai un QSL manager qui est 14 Sugar Delta 110. Ou éventuellement, tu peux avoir mes coordonnées sur le cluster BK. Donc, il n'y a pas de souci, Jean QSL. Ok, donc, je me rends à 14 Sugar Delta 110. Okay, bien ça. Oui, tu es tel, hein. 14 Sugar Delta 110. 14 Sugar Delta 110. Ok, c'est bon. Très belle station, hein, très bon signal, très bonne motivation. On se parle, j'irai sûrement, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain, je t'enverrai une carte QSL. QSL, alors comment ça va se passer? Excellent soirée.